au dimanche 10 décembre 2023. Voici l'événement spirituel le plus inattendu de l'année. Vous l'avez désiré au plus profond de votre cœur. Ce désir de voir la manifestation de Dieu tel que vous l'observez un peu partout dans le monde. Oui, ce désir a été entendu par le Seigneur lui-même. Mesdames et messieurs, le berceau de nos ancêtres est fier, honoré et béni d'accueillir Otto dans la partie septentrionale du Cameroun en Ngaoundéré. Voici la grande croisade de guérison et de délivrance sous le thème « La percée par le feu, Breakthrough by Fire ».
Moi, c'est Alice Méné. Je suis enfant auto-auto. Je suis tellement contente. La joie qui m'anime, je ne peux pas l'imaginer, je ne peux même pas l'exprimer. Parce que nous accueillons notre Père sur la terre du Grand Nord. Et nous savons que lorsque notre Père mettra les pieds ici, dans le Grand Nord, tout changera. Parce que notre Père, l'apôtre Charles Passot, c'est un Père, c'est un papa bulldozer. C'est un bulldozer de grâce. Lorsqu'il met, c'est partout là où il met ses pieds, ben la puissance de Dieu se manifeste. Et nous sommes remplis. Et lorsqu'il sera, nous savons que nous serons remplis de grâce. Et les malades seront guéris. Les sourds vont entendre, les aveugles vont voir. Même ceux qui portent des béquilles vont marcher. Le message que je vais passer à tous ces gens-là qui ne croient pas à la venue de notre papa de Gaoundéré, tout ce que je peux leur demander, c'est qu'ils viennent voir. Nous n'allons pas leur dire, mais qu'ils viennent voir, ça va chauffer. Parce que lorsque nous on présente, là, vous voyez, nous avons déjà classé les chaises, tout est déjà prêt et nous sommes déjà prêts à accueillir notre papa sur le site. Et nous savons que demain, ça sera chaud, ça va chauffer, surtout avec sa danse prophétique. Moi, c'est Thiobou Kwamasong Lucie. Je suis enfant auto-auto, leader de Ngaoundéré. Bon. Ce qui m'anime pour l'arrivée de papa auto-auto, c'est que quand il va déposer ses pieds ici en Gaoundé, puisque c'est la première fois qu'il arrive dans le Grand Nord, quand il va arriver, ça va vraiment faire boum. Et ça sera une histoire qu'on va écrire dans le Grand Nord, à ne jamais oublier. Et que cette histoire-là, quand il va arriver, le Grand Nord sera vraiment touché. Il va déraciner tout ce qui n'est pas bien dans le Grand Nord. Et quand il va retourner, auto-auto sera partout, dans tous les villages au Grand Nord. Et on va parler de lui et il reviendra plusieurs fois. Pour toutes les personnes qui hésitent encore ou qui pensent qu'il y a de la magie, de la sorcellerie dans ce ministère, je vais tout simplement leur dire que moi-même au départ, j'ai pensé comme ça. Parce que c'est une maman qui m'a invitée ici. Et au départ, je pensais que c'était comme ça. Et quand je venais, j'étais de passage. Je venais aussi juste pour voir et résoudre mon problème. Mais quand je suis venue, j'ai vu ce qui se passe. J'ai dit que non, ça là, je ne dois plus me retirer. Je dois m'installer. Je dois m'installer. Et pour tous ceux, oui, et pour tous ceux qui pensent encore comme moi aujourd'hui, je les invite à venir voir. Qu'ils viennent y voir. Parce que quand ils vont venir, ils vont voir, ils vont s'asseoir et s'installer seuls. Et aller appeler les membres de leur famille pour venir voir également. Parce que auto-auto, cha-cha-cha, quand ils s'installent quelque part, quand ils te parlent, ça se réalise dans ta vie. Quand ils disent là, 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 automatiquement, ça se réalise. Moi, c'est le frère Jean-Pierre Essouma. Je viens de N'Djamena Tchad. Grande est notre joie d'accueillir le bulldozer de grâce en Gaoundéré. Gaoundéré qui est la porte du Nord. Et nous convions tous nos frères et sœurs du Nord de venir massivement. Parce que le bulldozer, il suffit de le regarder, tu as la solution à tes problèmes. Il suffit de le regarder, ton travail va grandissant. Nous sommes heureux, nous sommes fiers d'accueillir le bulldozer. Nous sommes là depuis des jours, nous veillons, nous l'attendons massivement. Et les frères et sœurs du Nord, y compris du Tchad, disent au bulldozer qu'il est la bienvenue en Gaoundéré. Et nous sommes heureux et nous attendons encore que ce soit toujours fait. Parce que Gaoundéré est la porte du Nord. Et nous espérons que les églises auto-auto vont pousser d'un Gaoundéré jusqu'au Soudan comme des champignons. Parce que étant la porte du Grand Nord, jusqu'au Caire, jusqu'en Égypte, nous avons foi. Parce que le bulldozer, la grâce de Dieu coule sur lui. Nous avons foi, nous avons confiance. Frères et sœurs, vous voyez les chaises qui sont rangées derrière nous. À quelques heures, le bulldozer va fouler les pieds en Gaoundéré. Vous voyez déjà, les gens sont massivement tout autour, en attendant, veillant, en priant, en disant au bulldozer qu'il soit la bienvenue. Toi qui en crois à la maison, je te demande de venir. Le bulldozer sera là. Toi qui ne crois pas, je te donne avec certitude. Le bulldozer, partout où il est passé, des témoignages sont restés. Donc frères et sœurs, vous qui êtes encore à la maison, toi qui hésites encore de prendre ton car, ton billet d'avion, viens rapidement parce que la grâce est disponible.
Voici Otto Otto, l'apôtre Charles Passo, au grand nord du Cameroun, en Gaoundéré, assisté de la servante du Seigneur, la prophétesse Blandine Passo. Vendredi, samedi, 17h-21h et le dimanche de 8h à 14h, méga culte et programme spécial de fécondité, fruit des entrailles. À la place de fête de Gaoundéré, c'est la percée par le feu. Pour toute autre information ou pour souscrire un bâtisseur ou un pilier du royaume des dieux, veuillez contacter les numéros suivants.